Donc on se retrouve. Vous savez quoi? Je suis sur Casbah. À Motavia. Vous dites probablement qu'est-ce que je fous là? Bah en fait, faut vraiment faire gaffe à ce que disent ces PNJ. Donc vous vous souvenez peut-être de ce mec voilà, qui nous disait si on savait, si on connaissait un véhicule qui s'appelle le Warcraft. Si tu dis oui. Il te dit, j'en ai acheté un à Sinon sur Palmar, mais il avait l'air cassé, donc je l'ai abandonné à Bortebo. Il peut probablement en toujours être utilisé cependant. Voilà. Voilà où trouver notre Warcraft. C'est vraiment tout con. Faut faire gaffe à tout ce que disent les PNJ. Bon, du coup, je vais faire un cut. Je vous rejoins juste après. Bon, on est revenu. Bon. Alors du coup, on va aller reprendre notre vaisseau. Génial. Enfin, on est mis juste avant. Bon, c'est quoi? Et parce qu'on peut parler au... Je sais pas trop montrer, mais on peut parler à certains monstres. Alors. Et ça évite les combats. Du coup... Ah oui, ici, il y avait un mec qui nous parlait d'une flûte qu'il avait enterrée à Gothic. Bah, j'ai cherché cette flûte off-screen. Et je vais vous montrer où elle est. Parce qu'il faut vraiment la trouver. Je sais pas encore à quoi elle sert, mais je sais où elle est. Alors. Donc là, on est à Gothic. En fait, pour cette flûte, vous allez ici. Faites search. Voilà, vous avez trouvé une flûte. C'est aussi con que ça. Non, j'ai pas besoin d'être soigné, je pense. Mais attendez, je vais faire une petite tactique. Parce qu'en fait, je peux me téléporter que dans la dernière église où j'ai été. Du coup, là, en fait, je setup. Parce qu'on va retraverser ce champ de lave pour aller à la ville où on avait trouvé le robot. Je vous retrouve là-bas. Voilà, donc on est à Bortebo. Bon. Alors, il a dit dans une maison, donc faut chercher maintenant. Je fais ça. Ah, voilà. Vous avez trouvé l'Overcraft. Aspie l'a restauré. Donc, il devrait marcher maintenant. D'accord. Donc, le Warcraft. Alors juste pour voir comment on s'en sert. D'accord. Alors je suppose qu'il faut aller au bord de l'eau. Évidemment. C'est ça. Et donc, on peut aller sur l'eau. C'est génial. Alors, il y a un temple là. C'est une danse, on peut croiser des ennemis sur l'eau. Voilà. En partant d'apparemment pour atterrir, il faudra aller dans l'inventaire. Mais nous allons explorer les océans. Alors, on peut rencontrer des monstres, ok. Serpent. Ça va, c'est pas un monstre balèze. Plus maintenant. J'aime bien comment t'as les coffres qui volent sur l'océan, sur l'eau, tu vois. Oh, il y a une ville. Attends. Bon, alors voyons voir c'est quoi cette ville. D'accord, parlons PNJ. Alors, il y a longtemps, j'ai vu un géant. Ah, un géant, un rocher volé.
Au-dessus de dans le ciel. D'accord. Donc il y a un truc volant. Bienvenue à Drasgo, une petite ville sur l'océan. Ok. Il y a une entrée pour une grotte. Alors, il y a une épée magique dans la tour sur une île oubliée. Ah, ça doit être le temple qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ce top, dans le sommet de la colline des Baya Malais, est toujours caché par des nuages. Quelque chose doit se passer là-bas. Oui, mais on ne peut pas y accéder. Pure terrain. Ok, ça sert à rien ce qu'il disait. Donc là, il y a un truc où on peut rentrer. Sauvegarder, sait-on jamais si c'est un coup fourré. Parce qu'on a enfin un autre craft. On avance, on progresse. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que c'est un donjon ou est-ce que c'est juste un truc. Je vais continuer tout droit pour l'instant. À moins que. Alors, je vais continuer tout droit pour l'instant. Pas l'air d'y avoir d'ennemis. Je crois que je tourne en rond. Non. Oh. Alors j'ai entendu dire qu'ils vendaient un bouclier contre le gaz ici. Mais je ne sais pas où le vendeur est. D'accord, il faut trouver un vendeur. D'accord, donc faut chercher en fait, c'est un labyrinthe, faut chercher le vendeur. Je vois. J'avais tourné en rond, j'avais raison. Donc faut chercher. Non. Pas ici en tout cas. Je sens qu'on va être pour un petit moment là. Ah bah voilà, bienvenue dans notre magasin. Que puis-je faire pour vous aider? Ouais. Vous pouvez pas prendre une vague. Hein? D'accord. Une fausse. Oups. Non, le 5, 5. D'accord. Qu'est-ce que ce bordel? Point de départ. Ah ouais, je me fais. Enfin, voilà quoi, j'ai trouvé le mec. Il dit que c'est un magasin, mais il dit que je peux pas accepter une blague ou un truc du genre. Enfin, ouais. Je suis censé faire quoi? En fait, normalement, tu es censé utiliser ce truc de gaz protection pour accéder.
décédé, il y a une ville sur la planète désertique dont ils avaient parlé. C'est pour ça que là j'aurais bien aimé la voir. Mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé une méthode pour y aller, off-screen, qui marche, qui est très risqué mais qui marche. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça du coup. Alors, on va utiliser le Warcraft. On va retourner à Gothic. Si je me retrouve, où c'est? Mais c'est bien ça, on a des véhicules là, c'est bien. La flûte, je sais toujours pas à quoi ça sert, on verra bien. Ah, faut se repérer par contre, hein, c'est pas pratique. En tout cas, c'est bien, on peut aller partout du coup. Ah, attends, je me demande du coup si on peut pas contourner le donjon où il y avait un robot qui nous bloquait là. Évidemment, pour un piège. Je déteste les trésors piégés comme ça. Oui, Gothic, c'est par là. Ouais, Gothic, c'est là. Alors, on va atterrir ici. Un peu chiant ça quand même qu'on doit utiliser à chaque fois le menu pour se déplacer. Merci. Non, merci. On va se soigner. Et on va aller sur l'endroit que je vous dis. Il y a un gaz. Et vous allez voir, ils veulent qu'on traverse avec ce casque. Cette protection. Enfin, je suppose que c'est un masque à gaz. Mais bon, fuck them. Ils veulent pas me le vendre. Et bah tant pis, oui pour eux. J'ai une méthode. Très dangereuse, mais il y a une méthode. Voilà. Voilà. Tout le monde est soigné. Parce que j'ai. Ah, c'est pas vrai. Non. Je me suis bourré. Alors. Bien, donc retournons sur Motavia. Zo. Yes. Hop là. Donc voilà, nous y sommes. Alors. Ah, attends. Il faut que je setup ma petite technique. Elle est où l'église? Je sais plus si c'est mon église ici. Ils ont pas d'église. Ils sortent d'une église. Hop, rentre dans l'église. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon lit qui fait du bruit à chaque fois que je bouge. Bon. Alors du coup, utiliser l'overbot, le Land Rover. Je commence à m'embrouiller dans les noms. Alors. Donc ça c'était la ville du début et la mer est ici. Donc ici, on va enlever. Alors, attends. Tu peux pas embarquer sur le Warcraft dans la mer? Merde là, pourtant. Bon, c'est pas grave. Il y a un moyen d'y embarquer. Je sais pas comment, mais il doit y en avoir un.
Est-ce que je peux lui parler? Parce que j'ai réussi à parler à des araignées. Non, pas celui-là. Ok. Comment tu... Attends, j'en fais le Land Rover. Bizarre que tu peux pas rentrer dans la mer quand même. Ah bon, bizarre. Bon, tant pis. Tant pis. Tant pis, on va y aller. On va longer. Donc en fait c'est ça, faut juste longer la mer. Et là tu vas vers l'ouest. Ici. Ah la vache, il a bien hâte. Les emmerdes. Ouais, il est tout sur un problème d'argent, donc tu m'intéresses à buter. Voilà. Ok, donc on continue. On va essayer de contourner cette montagne. J'ai eu un lab ou c'est bon? Là. Alors en fait cette zone verte, c'est un gaz. C'est du gaz. Non. C'est du gaz. Si tu pénètre, tu perds de la vie. Mais c'est pas tu perds de la vie. Petit à petit. C'est pas tu perds de la vie petit à petit. C'est genre. Oula. Non, non, non. Oh putain, c'est pas possible. Tout pour faire chier. Hein. Mais putain. Pour faire chier, sérieux. Bon, il faudra que je lance des soins après. Ah, ils sont chiants. Donc, ah, vous avez vu, il y avait une ville. S'ils veulent bien me laisser. Tranquille, 2 secondes, merci. Il y avait une ville là, un peu à droite. Car attendez. Je vais lancer. Je vais me soigner avec moi. Parce qu'il y a encore plein d'HP. Sachant que Noah va probablement crever, mais bon. Noah, ce sera mon indicateur quand il faudra que je soigne. Merde. Utiliser cure, quel con. Ok, alors je sauvegarde au cas où je me foire. C'est une technique qui est dangereuse, mais j'ai déjà réussi à le faire donc ça devrait passer. Ah merde, trop loin. J'ai bien fait parce que regardez la vie que j'ai perdu en seulement quelques trucs. Voilà. C'est pas de la merde. Donc là, je vous dis, je vais recharger la partie parce que j'ai été trop haut en fait. Parce que là, si vous regardez, il faudrait que. Faut que j'essaie de me mettre là. Juste là. Voilà. Donc là, je vais recharger la partie, genre là, hein, tout de suite. Ok, donc là, je pense que je suis. En fait, vous regardez, vous avez deux arbres là et un espèce d'arbre comme ça ici. Bon. Et qui pense que je suis full heal. Mais ça devrait le faire. Alors Noah va mourir très très vite. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Allez, c'est parti. Noah est mort. Et lui, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a complètement cure. Les persos avec Miaou. Je suis sûr que ils avaient... Je suis sûr que les développeurs n'avaient pas prévu qu'on puisse faire ça comme ça, mais bon. Je vais pas m'en plaindre, hein, c'est possible. Voilà. Je vais encore soigner Odin une fois. Voilà. La déco d'un meurt, je re-soigne. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc on est sur cette ville.
On en a perdu Noah, mais bon. Oui, j'ai à peu près tout le monde. Voilà. Bon. Du coup, fouillons un peu. Alors, cette ville est appelée Sophia. Vous êtes courageux pour avoir pénétré le gaz. Tu m'étonnes. Ensuite, avant que l'acide ne vienne au pouvoir, même notre ville avait été tranquille, on va dire. Ensuite, je suis le chef du village. À cause de ce nuage de gaz, nous sommes coupés du reste du monde, reste des villes. Nous sommes du coup ou très pauvres. Nous donnerez-vous 400 mesetas. Oui. Merci. Et according to. Alors, selon nos légendes, le bouclier percé que Persée utilisera pour rebattre Méduse est enterré sur une petite île au milieu d'un lac. D'accord. J'aime bien, on apprend des trucs. Bonjour, je suis Mickey. Do you like ce... What? Do you like Sega? Aimez-vous les jeux Sega? C'est quoi ça? Attention, lui répond oui. Bien sûr, Sega, les meilleurs jeux. Les jeux Sega sont les meilleurs. C'est quoi ça? Attends, cette fille, non. Je ne peux pas le croire. Si vous n'aimez pas ça, le jeu, pourquoi avez-vous joué aussi loin? Ah, le troll des développeurs. Pas mal, pas mal la blague. J'aime bien. C'est drôle. Non, toi je te connais, toi je te vois. Alors, il y a un moine appelé Tajim dans les montagnes au sud du lac. Ok, donc je l'ai déjà battu, c'était le maître de moi. Et là. J'ai appris que Plama est une belle planète. Est-ce que c'est vrai? Si je lui dis non, ça fait quoi? Non! I'd like to go. Ce mec sert à rien en fait. D'accord. Bon, ça sert à rien. Bon, du coup, on peut pas sortir parce qu'il y a le gaz. Donc on va crever si on se fait le gaz. Parce que le gaz peut nous mettre des mauvais. Donc du coup. Que je vais faire. Et voilà. Aussi simple que ça. Bon, alors maintenant je vais essayer un autre truc. Parce que le lac, je suppose que c'est l'espèce d'océan. Je n'arrive pas à accéder. Il y a un endroit où je peux y accéder. Ah oui, merde, je vais le ressusciter moi. Je vais peut-être le ressusciter ce con. Oui, parce que d'ailleurs je me suis renseigné. En fait, Noah, au début on disait que c'était une femme, elle était référencée à elle. Mais en fait c'est une erreur de traduction. C'est bien un mec. Un mec très efféminé, mais c'est un mec. Donc voilà, au moins on a la réponse, Noah est une femme ou un mec, mais c'est un mec. C'est juste une erreur de traduction qui a apparemment été corrigée par la suite. Du coup. Land Rover. On va l'utiliser souvent ce Land Rover, moi je vous le dis. Alors. Je longe, je longe. Ok, on va par là. Là c'est la ville de gaz, donc on va pas y aller. Le choix, je devais passer force. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette mer? Est-ce
qu'il y a un truc là. Des ombres. Ah bah voilà. C'est bizarre quand même qu'on pouvait pas y en voir rien. Ouh foufou, tu m'as l'air costaud toi. Ouh toi tu m'as l'air costaud. J'ai perdu un peu d'HP. Ils tombent dehors, tant qu'à faire. Thunder, c'était pas censé être une attaque qui vise 4 persos. Qui est bizarre. Ou alors ça se trouve c'est une attaque générale en fait. Voilà. J'ai gagné 26 points d'expérience. Oui. Voilà. Du coup, ça va être cette île. Mais qu'on peut en cuire. Ok. Attends. Si tu me mets sur le trou du rond, tu m'en. Je dois fouiller chaque parcelle de cette île. Est-ce que c'est peut-être pas celle-là? Il a dit une petite île au milieu d'un. Au milieu d'un lac. Je crois que c'est possible. Cette merde. Ouh là, attends. T'es pris de mauvais trucs. On va essayer. Parce que là, il n'y a rien. Là, c'est la vie du début. Encore des monstres. Ah, ça, c'est un monstre pas terrible. Évidemment, il fallait que ce soit un piège. Ça aurait pas été drôle sinon. Bah non, je crois que cette île là. Moi qui parlais pas de ça. Oulah, attends, c'est quoi cette merde? Oh, j'aime pas cette merde. Il va crever lui. Tout ce monde. Ouais. Mais putain, arrêtez de me lancer des pièges. Ah oh, là. Alors je vois que c'est île en fait.
Bon, attendez, vous savez quoi, je vais refouiller au peigne fin, je reviens si je trouve un truc. Bon, du coup, apparemment, j'ai grillé des étapes. Bon, c'est pas grave, on va voir. Donc, du coup, j'ai trouvé le mec qu'on cherchait tout à l'heure dans les grottes, le fameux vendeur. Voilà. C'est pas vrai. J'ai plus mis là. Ah, si je lui dis non, c'est bien quoi. Ah oui. Putain. Ouais, ouais, si je suis pas sûr de pouvoir le retrouver après. Faut que je farme de l'argent. Farmer de l'argent. Et ben, farmer de l'argent. Je reviens quand j'ai une île. Ok, donc on va voir ce foutu masque. Si je reparle, c'est plus quoi. J'en ai un maintenant. Normalement, moi je vais se faire naguer. Ouais, c'est bon, j'ai le cash shield. Je sais pas trop comment ça marche. Hein. On va bien voir. Bon, du coup, je vous rejoins quand je serai sur Motavia là. A tout de suite. Bon, écoutez, je comprends pas en fait ce qui se passe. Je crois que je vais chercher sur net parce que c'est bizarre quand même. Je sais que je parle au vieux. Il me dit pareil, 400 mesetas et il me dit qu'il y a une petite. Mais si je suis sur la petite île, il n'y a rien. Donc, du coup, je sais pas du tout. Du coup, je vais arrêter cet épisode là. C'est un petit moment quand même. Et je vais chercher. Parce que c'est, je pense là que c'est pas normal. Ouais, pour la première fois, on va chercher sur internet dans cet épisode. Bon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Sans commentaire. Et ça a intérêt à être un bon. Voilà. Voilà. Je ne rajouterai rien à ça. Allez, suite au prochain épisode.